Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau déballage avec vous et ne fût-ce que juste voir la couleur de l'enveloppe. Beaucoup d'entre vous vont trouver que c'est Chibi Hour. En plus, il y a le petit logo là. C'est une commande que j'ai fait le 30 août et que j'ai reçue la semaine passée. Je suis contente parce que cette commande-là, en fait, il y a eu plusieurs ventes qui se sont faites en même temps. Et moi, j'ai aimé parce que ça me permettait de tout combiner ensemble pour faire des économies en frais de livraison, puisque de la France au Québec, c'est assez dispendieux. Donc, je préfère toujours faire des grosses commandes, je dis, pour justement rentabiliser les frais de livraison. Je vais vous montrer. Oui, il y a une première chose que je vais dont je vais vous parler, mais qui n'est pas dans mon colis. En fait, j'ai commandé la boîte Romantic Feather pour le salon libre des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. J'ai pris une toile étamine. Cette box sera envoyée début octobre. Je suis super curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la box. Ça sera ma première box et j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai acheté mon billet d'entrée pour le salon Victorian Spirit qui commence le 1er octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ne sais pas encore quand vous verrez la vidéo, mais probablement il sera le 3 peut-être. On verra. Normalement, le billet d'entrée était valide, donc on pouvait l'acheter jusqu'au 30 septembre, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai vu qu'il finalement était encore en vente, donc je ne sais pas combien de temps, si c'est un oubli, mais si vous ne l'avez pas, allez quand même voir, on ne sait jamais. Et j'ai pris le mini kit qui va avec, donc ce sont les fils Rainbow Gallery et les perles, donc dans ce petit sac en papier avec toujours, j'aime beaucoup toutes les petites choses qu'elles font pour décorer les emballages. Alors je vous montre ça, il y a deux fils, voilà, des treasure bread petites de Rainbow Gallery. Donc il y a le PB 73 donc, qui est un doré, et puis là le PB 300, et lui ce sont des fils qui glow in the dark, donc qui brillent dans le noir, qui va faire ressortir vraiment le modèle de la grille. Voilà, et puis les perles qui vont avec. Donc il y a quelques perles de différentes couleurs, je vois, on dirait noir, doré, argenté et blanc. Donc voilà, il ne faut pas que je les perde par contre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ce sont des perles Miyuki. Donc j'ai jamais utilisé ces perles-là, donc ce serait une première pour moi. J'ai toujours utilisé les perles Milil, surtout pour les Mirabilia. Donc là, je dis que ce serait une nouvelle expérience. Ensuite, il y a ceci, un trifil super mignon. Voilà, je vous ai dit, j'en achète rarement, mais là j'en ai acheté plusieurs récemment, mais tous de la boutique de Chibi Hour, parce que vraiment ils sont magnifiques, c'est super beau, super bien fait. Je vais l'enlever du plastique. L'arrière. Et puis, je vous remontre devant. Regardez, elles sont vraiment adorables, ces petites filles. Devant leur maison. Avec un petit renard, un lapin et puis tous ces petits champignons. C'est adorable. Vous allez me faire devenir accro, là, Chibi. Faut pas que je devienne accro. Je suis déjà accro au magasin, mais là les trifis sont tellement beaux. Ensuite, attendez, donc j'ai la
Nutrifil. Ah oui, il y a aussi, chaque fois qu'on fait une commande, on reçoit une grille gratuite téléchargeable d'une valeur de 3 euros. Celle-ci, elle s'appelle Tu es une perle. Voilà. Et alors, je me suis acheté. Attendez. Attendez, je suis en train de me battre. Je vais l'ouvrir après. Donc, j'ai ceci qui est le Wings of Rainbow. C'est la grille de points de croix. Et j'ai pris le mini kit. Voilà, regardez comme le colibri est vraiment super mignon. J'adore les couleurs. Elles sont vraiment très très belles. Voici, sans reflet. Regardez, magnifique. C'est. Donc, comme d'habitude, il y a une grille en couleur, mais sans point arrière. Et puis, une grille noir et blanc avec les points arrière en couleur. Donc, les différentes couleurs. Je vais vous montrer juste un tout petit bout, là. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc les informations, j'ai pris mon envol, le colibri m'a confié ses secrets, j'ai atterri sur une île paradisiaque, et je n'oublierai jamais mes souvenirs de ce voyage. Et puis ici, donc, toute l'information. Alors ici, on peut voir qu'il y a des points en donc en deux fils, puis il doit y avoir des mélanges. Il y a des points de nœuds, je pense, et puis du. Point arrière sur un fil. Voilà les couleurs. Il y a aussi des perles. Voilà. La toile. Voilà la toile. Et puis je me rends compte en fait que j'ai commandé deux fois la toile. Elle s'appelle Frangipani Sunset. C'est de l'étamine 12 fils. Je suppose que les deux sont pareils. Je pensais que c'était une toile vendue à part, mais finalement c'était la même qui était dans le kit. Mais c'est pas grave, elle est magnifique. Elle me servira à faire d'autres choses sans problème. Regardez, vraiment magnifique cette toile. Elles font vraiment les filles des toiles magnifiques. Les dessins sont superbes. Voilà. Et la dernière chose, donc. Si j'arrive à l'ouvrir, l'enveloppe est bien collée. Je crois que ce sont les perles. Voilà. Voilà. Les petites perles qui vont avec. Je vois que j'ai pas pris les gants, les mains, pardon. Les mains à aiguille. Dommage. Peut-être une prochaine commande. Parce qu'en fait. Ben oui, il va y avoir déjà une prochaine commande et dès demain. Parce que demain, ils vont mettre en vente la, si j'ai bien compris, la dernière box sorcière. Et puis ben, je ne peux pas la rater. J'ai raté toutes les autres. Je suis contente. La Dana, finalement, je vais quand même la voir par un détour. Mais c'est ça. C'est dommage que je ne connaissais pas la compagnie. Avant, parce que je les aurais toutes achetées. Elles sont tellement belles, toutes leurs sorcières. Et puis j'ai mis aussi d'autres choses dans mon panier, parce que comme je vous dis, tant qu'à faire, autant maximiser
pour les frais de livraison, autant faire des grosses commandes en même temps. Donc j'ai hâte, je suis un peu stressée, j'ai peur de rater la vente demain, donc mais bon, j'ai déjà mis un rappel un jour avant, donc aujourd'hui j'ai eu mon rappel, demain 2 heures avant, et puis 1 heure avant, et puis 10 minutes avant. Donc c'est pour vous dire comme je suis anxieuse par rapport à la vente de cette boîte. Je vous remets en attendant non, ceci. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour cette petite présentation de ma commande Shibi Hour. Donc je vous dis, j'ai hâte. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire aussi. Un petit coucou, tout ce que vous voulez en commentaire de gentil, s'il vous plaît. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis, tout ça me fait très plaisir et puis ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.